Voilà, ici on est dans une. Je sais pas comment ça s'appelle, en fait, dans un endroit où ils ont réuni plein de cactus différents. Alors il y en a vraiment partout, partout. Énorme. Ils sont super jolis. Ah ouais. Regarde celui-là, les grandes oreilles. Ah ouais, t'as pile les épines qu'il y a dessus, putain. Ah, puis au milieu là-bas, regarde les grosses plantes. Ah oui, c'est que des belles plantes grandes. Regarde, regarde, des petites petites. Des yuppos. Super chouette. Et là, eh ben ouais, des plantes grasses, des cactus. Là, chez nous, ça atteint pas cette taille-là. Regardez un arbre de cactus, en fait. À la fin, les oreilles, ça se transforme en tronc. Vous voyez? Les oreilles, ça se transforme en tronc. Et c'est énorme. Faut pas y toucher. Ouais, c'est les figues de Barbarie. Ouais. Ah ouais. Regarde la boîte aussi. Et là, vous voyez, on a des plantes grasses qui ont fleuri. Oh, les cactus là-bas, mortels. Ah ouais, les mêmes que dans le Lucky Luke, quoi, dans le Far West. Regardez le cactus qui a fleuri là-bas. La grande tige. Je me suis mis en format comme ça pour filmer parce que pour les choses hautes c'est quand même plus pratique. Voilà, vous voyez, c'est le cactus qui a fleuri quoi. Quoi, ceux du milieu là-bas, regarde, biche devant nous. Ah ouais. C'est super classe et encore tombé dessus par hasard. Toujours dans le parc de la Paloma, on ne l'avait pas vu hier et. Ah ouais. Des coussins. Regardez voir, je vous fais un petit panoramique là. C'est énorme. Je pense que c'est super joli. De ces cactus. Jardin de cactus. Et succulent. T'aimes bien les cactus, Dilis? Ouais. Ouais. Voilà. Comme c'est tout emmêlé dedans, t'as vu ça? Et puis ceux-là, mais derrière, mais c'est. J'ai jamais vu des trucs si gros, moi. Sans déconner, hein. Avec les palmiers là-bas derrière. Ah ouais, mais c'est super chouette, quoi. Franchement, c'est un beau coin. Ah ouais, un coin super sympa, quoi. Un joli coin. Encore un beau parc. Gratuit. Et gratuit, ouais. Voilà. En Espagne, il y a beaucoup de parcs qui sont gratuits. Wow, regardez voir des petits, on dirait comme des baobabs. Allez, mon petit. Le délire. Ah ouais. Regardez voir, comme c'est curieux.
Oh, c'est bon. Oh, il y a un arbre cactus, j'ai jamais vu ça. Regardez voir Lilou. Hop, et voilà Lilou sur sa pierre. Lilou. Elle est trop belle la néné. Voilà. C'est la mascotte. Regarde, elle a mal aux pieds peut-être dans les cailloux. Oh, ça va, c'est les tout petits cailloux là, ils sont ronds. Là. Fais juste gaffe qu'il n'y ait pas d'aiguille au sol. Oh là là, regardez voir ça. Truc de malade, c'est un truc de malade. Ah ouais, regarde les arbres derrière. Truc de malade. Voir un petit peu plus, on va revenir un petit peu là-bas parce que j'ai vu, c'était un arbre, tu vois, et qui fleurissait des cactus. Là-bas. C'est un truc de fou. C'est pas chez nous qu'il y en a des comme ça. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Ouais. On va voir, c'est un arbre en fait. Ouais, ouais, c'est un arbre. C'est un arbre et après, il part des gros cactus. C'est. C'est dingue. Ouais, c'est ça. On va essayer de voir ce que c'est, si toutefois il y avait le nom. Pour ceux qui savent lire là. Voilà, j'essaye même pas. C'est pas évident à prendre. Oui, il y a des oiseaux du paradis en fleurs. Encore des cactus tout bizarres, des plantes vraiment. J'ai jamais vu quoi. Regardez voir là, pareil, un tronc. Et vous voyez comment ça fait? Tac, 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 tac. Ça fait comme des petites feuilles et Aliodia procera. Voir ces arbres avec leurs picots. On va peut-être mieux compter sur celui-là de tous les picots qu'il peut y avoir sur les arbres. C'est un truc de fou. Les arbres à pointe. Et voilà. Et ben on attaque le parc de la Paloma à côté de Malaga. On se balade sous les arbres, peinard. C'est toutes des grandes allées comme ça. Des volières. Bon, par où on descend, par là-bas? Allez.
C'est tout un immense parc. Super joli. Nous, les camping-cars, ils sont là-bas. Voilà. Voilà, le parc. Voilà. Un super joli parc, comme vous pouvez voir. Et là, on voit Lilou. Lilou avec sa maman. Il y a Lilou. Elle est tranquille, là. Voilà. Maintenant, on va aller voir les canards. Et Lilou, elle adore les canards. Elle adore ça. Ouais. Regardez comme c'est beau. On va aller voir ça. Ouais, on entend de la musique, là-bas. On voit que les gens sont... tout cela. Voilà, un petit peu plus loin dans le parc. Alors, il y a des kiosques, il y a, voilà. C'est tout des palmiers, une super végétation. C'est vraiment super chouette. On peut voir un petit étang là-bas dans le bas. On va sûrement aller voir ça après. Et sous un beau soleil de Malaga. Ça, les petits bancs tranquilles où on se pose. Ah, ma chérie, on est pas mal là. Ouais, on est pas mal. Hein, pour un mois de décembre, d'y voir. On est bien, mais. Hein, on est pas mal. Enfin, nous, les gens nous prennent un peu pour des maboules parce que je vais vous faire un panoramique, vous allez voir, ils sont tous en t-shirt et tout. Mais c'est super classe. C'est super joli, quoi. Il y a un peu de vent, mais ça va quoi. Ouais, franchement, ouais, ouais, ça va, c'est cool. Il doit faire 17, un truc comme ça, 17, 20 degrés même au soleil. Ouais. Continue dans ce parc. C'est le parc de la Paloma. C'est super joli. Tous les gamins qui courent après les pigeons. C'est cool. Tranquille. Et voilà, les palmiers en face, posés sur le banc, Nounouï qui surveille. Ah, elle a vu un petit chien qui arrivait, Nounouï. Fixe, fixe. Ouais, il y a un petit kiosque encore. Et on doit surplomber l'étang. On va voir ça. Tout de suite, regardez voir là-bas les maisons blanches et tout. C'est magnifique, ouais, ouais. C'est ce que j'étais en train de filmer, c'est vraiment magnifique. Regarde là. Maria Molinaire, 1981. Et voilà, ben on surplombe l'étang comme on le pensait. Regardez, c'est tout, c'est magnifique. C'est vraiment super joli. Ils ont des parcs vraiment beaux en Espagne. Il y en a partout. Ah ouais. Une autre vue du lac. On descend dans les belles allées. Tout bien entretenu. La pelouse et tout, c'est nickel. Ils embêtent pas les gens, hein. Vous voyez, c'est tout propre, mais les gens, on peut se mettre sur les pelouses, on peut... Les pigeons, une perruche, vous voyez, il y a une perruche dans l'arbre. Une belle perruche dans l'arbre, là, hop, elle s'est envolée. Voilà. Attends, je fais une pause. Voilà, une autre entrée du parc. Voilà, c'est toutes des grandes allées comme ça pour pouvoir rentrer dans le parc.
c'est magnifique. C'est super classe. Voilà, donc regardez voir ce qui se cache un peu dessous là. Les poules des coqs en liberté dans le parc. Voilà. Nickel, des pigeons, il y a tout ce que vous voulez. Et il y a Lilou qui est dingue parce qu'elle voudrait aller choper les culs des poules là-bas pour choper des plumes, mais non, 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 non. C'est interdit, Lilou. Et voilà, bah, encore une entrée du parc. Ça va être l'entrée principale, là, vous voyez. Petite cafétéria. Voilà, on continue, donc on s'est bien approché du parc. Là, et Lilou, on est en train de lui montrer les coins-coins parce qu'elle a une passion pour les canards, Lilou. Ah ouais, super classe. Super chouette avec les arbres qui dominent là. Bon bah il y a un chien cure là à côté. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Voilà, et là on a un zèbre. Bien sûr, c'est en statue. Mais c'est bien foutu, c'est pas ce qu'il fait là, mais bon, ils ont mis un zèbre. C'est joli. Tout ce qu'il faut pour faire le sport dans le parc. Mais ils sont vachement équipés, tous leurs parcs sont équipés de matériel de sport. À plusieurs points, quoi. Bon, chez nous, le matériel de sport, c'est pas ce qui manque de plus à moi, vous allez me dire, mais... C'est bien pour ceux qui veulent.